Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment faire un cours pour netprof.fr en capturant son écran d'ordinateur. Alors, c'est très simple. Donc, première chose à faire, vous allez configurer la résolution écran. Alors, pour la résolution écran, vous vous mettez au milieu, faites un bouton droit et vous allez dans résolution écran. Et là, vous allez sélectionner 1366 par 768. D'accord ? Donc vous prenez cette résolution là et vous faites appliquer. D'accord ? Deuxième chose, vous allez configurer le niveau audio. Alors, vous allez démarrer, panneau de configuration, et ici vous allez dans son. Alors, si vous ne l'avez pas affiché comme ça, vous voyez, c'est parce que par défaut il est là. Donc là, vous voyez, en catégorie. Donc là, vous allez vous mettre en petite icône. Et là, vous avez bien cet affichage. Là, vous cliquez sur son. Et là, vous allez avoir en enregistrement vos différents périphériques. Vous voyez, on voit bien, ça bouge ici. Donc, vous allez dessus, vous le sélectionnez et vous faites propriété. Et là, vous avez niveau. Alors, parfois ici, vous avez également un niveau d'amplification. C'est 0, 10, 20 ou 30. Ce qu'il faut, c'est se mettre à 20. Donc, vous avez 0, 10, 20 ou 30, vous mettez à 20. Et pour le microphone, ici, vous pouvez jouer avec votre niveau. Et le plus souvent, finalement, ce qu'il faut, c'est se mettre à 100%. D'accord ? Alors, si, lorsque vous faites ça, vous avez une saturation, vous voyez que le son craque, etc., eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez lancer la configuration ici. Vous voyez ? Vous cliquez là-dessus, et là, vous avez toute une procédure, vous voyez, configurée avec le micro, ici. Je ne vais pas la faire, parce que comme là, on est déjà en train de faire une capture, ça peut poser des petits soucis. Bon. Mais, je vous dis, le plus souvent, vous mettez l'ampli ici, si vous l'avez, à 20, et le microphone, vous le mettez à 100. Voilà, donc on a configuré le niveau audio et la résolution d'écran. Après, il va falloir un logiciel pour faire la capture. Alors, pour faire la capture, alors oui, bien sûr, vous voyez là, moi j'ai mis le logo netprof.fr, vous pouvez le télécharger sur netprof.fr. Alors, pour faire la capture, donc vous allez, donc quand vous arrivez sur netprof.fr, vous allez ici sur participer et là vous descendez en bas, vous voyez ici vous pouvez télécharger ici, vous faites un bouton droit, enregistrer la cible sous et voilà, vous allez enregistrer le logo NetProf. Voilà. Alors, une fois que vous avez enregistré votre logo et que vous l'avez mis en fond d'écran, ce qui n'est pas obligatoire mais c'est mieux. Vous pouvez également télécharger le logiciel qui va vous permettre de faire la capture. Alors ce logiciel, vous l'avez ici, vous pouvez télécharger ici le logiciel Microsoft Windows Media Encoder en version US, donc version anglaise. Donc vous allez sur ici, vous faites un bouton droit, vous faites enregistrer la cible sous, et par exemple dans téléchargement, vous allez l'enregistrer. Voilà, donc là on le télécharge. Voilà. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez classiquement en mettant les options par défaut. D'accord ? Je ne vais pas le réinstaller parce que là il est en train de tourner. Hein. Bon. Ok. Une fois qu'il est installé, vous avez ce programme qui est donc maintenant ici dans Windows Media, Windows Media Encoder. Donc vous le lancez. Alors on peut fermer NetProf et là vous avez cet écran qui s'ouvre, donc vous prenez Screen Capture, voilà, là vous prenez Enter Video et vous mettez Capture Audio, voilà, là vous mettez le nom de votre fichier et là où vous voulez le mettre, donc par exemple dans vidéo vous voulez l'appeler cours, donc alors, si vous mettez plusieurs mots, vous voyez, vous faites un underscore en dessous.
parcours test par exemple, hein, et vous mettez .wmv. Voilà, n'oubliez pas l'underscore. Donc faut pas mettre de caractères spéciaux, faut pas mettre de slash, etc. Et également, il ne faut pas mettre de caractères accentués. D'accord ? Bon, une fois qu'on a fait ça, vous faites enregistrer, suivant. Là, vous mettez high, bien sûr, qualité. Là, vous pouvez, si vous voulez, remplir, mais c'est pas obligatoire. Et là, voilà. Alors ici, si c'est coché, vous le décochez. Et vous faites terminer. Voilà. Alors maintenant, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur propriétés. Et là, vous allez sur... Alors si ça vous permet ici, éventuellement sur cet écran déjà, vous voyez, on est bien en screen capture, on est bon. Et défaut audio device pour la capture. Alors éventuellement, vous pouvez sélectionner manuellement si ça ne fonctionne pas. Votre micro ici, d'accord, par défaut ça fonctionne théoriquement. Alors une fois que vous êtes là, vous allez dans compression, et là très important, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur edit. Alors une fois ici, donc audio CBR c'est bon, vidéo vous vous mettez en quality VBR, d'accord, et ici, pour les codecs, audio 9.2, c'est bon. Vidéo, média 9 screen, non, c'est pas bon. Il faut vous mettre en média 9, tout court. Vous voyez, vous avez toute une liste. Vous prenez média 9, pas média 9 screen. D'accord ? Ici, vous allez sélectionner français. C'est mieux. Voilà. Et après, vous cliquez ici, sur Quality Based, et là en audio format vous allez sélectionner 192 48 stéréo CBR. Là vous laissez cocher cette case same as video input, pardon. En frame rate, donc c'est le nombre d'images par seconde, vous mettez 15. Keyframe interval 3, c'est bon. Et video quality vous mettez 100. Voilà, vous faites OK et vous faites Apply. Et voilà. Et là, vous êtes prêt à faire votre cours. Vous cliquez sur Start. Il vous dit attention, vous allez le lancer. OK, très bien. Et hop, c'est parti. Voilà. Donc une fois que vous avez fini votre cours, vous le réouvrez, et là ça va arrêter l'encodage. Et voilà. Vous cliquez sur stop, et vous avez la possibilité de regarder votre cours. Merci, bonne journée, au revoir.